explosion accidentelle due au gaz samedi à Paris a fait 12 blessés graves, dont 5 ont leur pronostic vital engagé, parmi lesquels 2 pompiers, et 24 blessés légers. A-t-on appris auprès des pompiers, 12 personnes sont en urgence absolue, dont 3 sapeurs-pompiers, et 24 personnes sont dans un état plus léger. Parmi les 12 personnes, en urgence absolue, le pronostic vital est engagé pour 2 pompiers et 3 personnes civiles, a déclaré à la presse sur place le commandant Éric Moulin, des sapeurs-pompiers de Paris. L'un des pompiers a été enseveli plusieurs minutes. L'onde de choc s'est propagée dans les 4 rues adjacentes sur environ 100 mètres. Nous investissons tous les lieux pour voir s'il y a d'autres victimes, a-t-il ajouté. À ce stade, nous pouvons dire qu'il s'agit manifestement d'une origine accidentelle, ce serait une fuite de gaz, a de son côté déclaré le procureur de la République de Paris Rémy Heitz. Également sur place, il y a d'abord une fuite de gaz, puis l'arrivée des pompiers suivie d'une explosion ayant provoqué l'incendie, a-t-il relaté.